C'est un plaisir d'être avec vous dans ce numéro de Face à Face. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro spécial. Nous faisons un bilan en mi-mandat du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous allons également faire des propositions, faire des projections pour l'année 2023 et d'autres années qui vont venir après l'année électorale de 2023. Nous recevons un acteur politique de premier plan, l'ancien ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans ce numéro spécial. Basile Olongo, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, Dan. Bonjour. Vous êtes aussi président du PCSD, un nouveau parti politique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Non, je suis président du Parti congolais social-démocrate, PCSD en sigle. Ce n'est pas un nouveau parti, parce que récemment j'ai vu mes collègues et d'autres acteurs politiques créer l'LR, ce qui n'est pas mauvais. Le Parti congolais social-démocrate existe depuis 2017, nous sommes en 2022, 5 ans bientôt. Et le Parti congolais social-démocrate a un député au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce qui est important, ce n'est pas seulement de créer les partis politiques, mais de savoir pourquoi créer le parti politique. Aujourd'hui, j'ai suivi à la radio, on me disait que on est à peu près à 1000 partis politiques en République démocratique du Congo. Non. Le Parti congolais social-démocrate, je commence par expliquer les deux premières lettres PC. C'est le Parti du Congo, c'est un parti congolais. SD, social-démocrate, comme vous le savez, il y a plusieurs social-démocrates à travers le monde. Nous, nous sommes les sociodémocrates de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi on nous appelle Parti congolais sociodémocrate. Mais pourquoi sociodémocrate? Comme vous le savez, le meilleur système, d'après nous, qui s'approche à la chrétienté, c'est les systèmes politiques menés par les sociodémocrates. Tenez, l'idéologie de notre parti, parce que rarement les gens qui passent sur vos antennes vous parlent des projections à venir, de ce qu'ils veulent pour ce Congo en créant le parti politique. Nous, nous recherchons à avoir un Congo meilleur, à apporter les meilleures conditions de vie des Congolais, basé sur la lutte contre les injustices. Tout parti socialiste qui n'a pas cette idéologie, mettez-les de côté. Comment vous comptez vous y prendre? Ouais. Vous savez, il y a trois choses. La première, les injustices que nous rencontrons aujourd'hui sont dues, premièrement, du fait que les gens n'ont pas compris l'essence d'appartenir à une nation comme la nôtre, la nation congolaise. Nous, nous avons compris que appartenir à la nation congolaise, c'est bénéficier de toutes les richesses qui se retrouvent dans cette superficie de 2 345 409 km². Soit étant l'un des plus pauvres du monde. Non. C'est le pays le plus riche, par contre. Et étant donné que nous ne pouvons pas nous comporter comme dans une jungle, il y a l'État qui doit réguler la répartition. Comment comptons-nous nous y prendre pour améliorer la condition? C'est premièrement permettre à ce qu'une répartition équitable soit faite et une bonne gestion, ce que les autres appellent la gouvernance, de richesses qui appartiennent à la nation congolaise. En procédant toujours à l'indépendance des matières premières, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous savez, il y a la dernière lettre qui dit sociodémocrate. Nous sommes des démocrates et nous devons procéder par la meilleure de façon à placer ceux qui doivent nous représenter. Parce que tous, nous ne pouvons pas revendiquer nos droits ensemble, nous ne pouvons pas nous auto-gérer ensemble. Il y a des gens qui doivent nous représenter, mais sur le plan démocratique. En d'autres termes, lorsqu'il y a un président
qui est élu démocratiquement, nous cessons de réclamer les vérités des urnes, si c'est ça le terme, ou de faire du bruit pour empêcher à ce qu'on ait une gestion, une gouvernance orthodoxe. Vous êtes contre ce que Étienne Tshisekedi a fait en 2011? Il l'a fait, il s'est tué. Il l'a fait pour faire voir aux gens qu'il avait gagné les élections et qu'on avait tripoté. Et il s'est tué, il a prêté serment, il s'est tué, il a laissé les choses avancer. De la même manière que Jean-Pierre Bemba, en 2006, il a gagné, il était conscient, il y a eu des tractations, et pour l'intérêt de la nation, il s'est tué. Mm-hmm. Comprenez? De la même manière qu'en 2018, avec Martin Fayoulou, a gagné. En 2018, avec Martin Fayoulou, qui échoue, et qui s'est dit que c'est lui qui a gagné, et continue à réclamer jusqu'à la fin du mandat. Mais il y a quand même la Cinco qui l'a soutenu, qui l'avait soutenu. Oui, mais Cinco, c'est encore une histoire. Cinco, c'est une histoire, non? Vous savez que Cinco fait partie de structures qui nous ont plongés ou qui nous poussent, qui nous ont poussés au glissement. Nil Tété, la clairvoyance du président de la République et de pouvoir décider que les choses avancent. On allait vraiment... Et ce n'est pas encore fini, hein? Ce n'est pas encore fini. Moi... j'ai ce regret-là qu'un jour, si la CENI arrive à nous dire qu'elle n'est pas en mesure d'organiser des élections, moi, je me retournerai contre la CENCO. Vous comprenez? Tous ces temps perdus pour mettre en place le bureau, eh ben, nous devons nous assumer. Voilà. Donc, la CENCO, bon. De toute façon, ils ont continué à soutenir l'insoutenable sans preuve. Là n'est pas le problème. Mais on était en train de parler de notre parti politique. PCSD, de l'idéologie de parti politique et des injustices. Vous savez que tout ce que nous avons comme richesse dans notre pays, on a placé l'État pour pouvoir gérer ces richesses-là. Et tout Congolais doit en profiter. Aujourd'hui, il y a des provinces où on ne trouve aucun centimètre de route asphaltée depuis que le Congo existe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et cependant, le cuivre qui est exploité au Katanga appartient à tous les Congolais, y compris ceux qui sont au Sankuru. Vous comprenez? C'est ça l'injustice. C'est ça l'injustice. Donc il faut réglementer ces choses pour procéder à une répartition équitable de nos revenus. Donc nous allons combattre cela. Et d'abord par la démocratie, la deuxième chose par le fait que nous allons procéder aux réformes profondes quand nous, on aura le pouvoir. En faisant d'abord comprendre aux gens, c'est quoi le développement. Vous savez, la mauvaise conception des gens par rapport au développement de la République démocratique du Congo fait que nous puissions avoir des problèmes aujourd'hui jusqu'à ces jours. Pas seulement la République démocratique du Congo, mais presque tous les pays du tiers-monde. Le développement, d'après notre parti, doit être compris comme la capacité que doit acquérir les Congolais pour pouvoir maîtriser la nature, la transformer pour son bien-être. C'est-à-dire, les Congolais doivent être à mesure de maîtriser une rivière, de transformer cette eau autrement et de produire de l'électricité. Tout ça, il faut des moyens. Quand vous avez un gouvernement... Pas des moyens. Des institutions qui sont budgétivores... Non, pas de moyens. 80% non, des recettes de moyens. Pas de moyens. Il faut d'abord commencer par des réformes profondes au niveau de l'éducation. C'est-à-dire quoi? Donner un contenu à l'éducation, à la formation de gens. Aujourd'hui, on s'est dit, bah, écoutez, nous avons plein de chômeurs dans notre pays, mais quel est le contenu de l'éducation que nous donnons à nos enfants? Quel est le contenu? Aujourd'hui, nous sommes agressés. On apprend toujours le système de Diego Kao. Je ne suis pas contre le juriste, je ne suis pas contre mes enfants, tous ceux qui font les Sciences Po, etc. Vous trouverez des auditoires pleins. Mais allez à la faculté des sciences, allez au département de géologie, vous en trouverez combien? Regardez ceux qui font la pétrochimie. Ils sont au nombre de combien? Et vous voulez qu'on ait du travail? Nous, on va amener ces réformes-là pour pouvoir privilégier la formation technique et professionnelle et pousser vers l'avant l'espionnage technologique. Il y a un leader qui a compris.
c'est Mao. Mao a compris avec la Chine, il a enfermé la Chine, il a inversé la formation, il a donné le contenu à la formation donnée aux Chinois. Et aujourd'hui, les Chinois colonisent le monde parce qu'ils ont compris. Vous comprenez ? Je comprends bien, ce projet est un projet propre au PCSD. Oui, oui, c'est un projet propre au Parti Congolais Sociaux-Démocrates de pouvoir donner un contenu à la formation et de pouvoir beaucoup plus privilégier la formation technique et professionnelle et pouvoir relancer... D'une certaine manière, vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont le Congo est en train d'être dirigé aujourd'hui. Parce que tout ce que vous proposez n'est pas appliqué. Non, non. Aujourd'hui, il y a, voyez, il y a un sociodémocrate qui est au pouvoir. Raison pour laquelle, vous voyez que je le soutiens. Il a quand même donné des orientations, mais comme tous ceux qui sont au gouvernement n'ont pas la même vision que lui, ben, bon, il s'efforce de pouvoir appliquer. Vous regardez par exemple à l'université, il y a la réforme introduite par Moïndo. Le LMD ? Oui, mais ça va dans ce sens-là. Parce que vous devez terminer l'université et être en mesure d'être capable de faire quelque chose. Vous pouvez terminer l'université, on vous dit, vous écrivez, j'ai l'honneur, non, identité, mais adresse et quoi. Non, commencez par nous dire, vous êtes capable en quoi. Monsieur Tshisekedi, le président Tshisekedi n'a pas su créer des conditions favorables d'accession à l'emploi facilement aux Congolais. Le Congo est l'un des pays où les jeunes sont vraiment au chômage. Qu'est-ce qui a été fait pendant 3 ans et demi par le gouvernement de M. Tshisekedi? Il y a des millions de jeunes qui terminent aujourd'hui à travers la RDC, mais quelles sont les capacités d'attraper un boulot? Les jeunes Congolais sont des malheureux. La toute première des choses, c'est de chercher à crever l'abcès. C'est-à-dire? Pourquoi nous avons des milliers et des milliers de chômeurs en République démocratique du Congo? Voilà. Des millions, pas des milliers. Des millions de chômeurs. Voilà. En République démocratique du Congo. Pourquoi? Un, c'est parce que la gratuité a été mise de côté au niveau de l'enseignement de base. Vous imaginez que 18 ans de Kabila, président honoraire Kabila, et de 3 années de Mouzé, ça fait 21 ans. 10 ans avant le départ de Maréchal Mobutu, ça vous fait 31 ans. Pendant 30 ans, nous n'avons fait que fabriquer des chômeurs. Pendant 30 ans, en République démocratique du Congo. C'est-à-dire des analphabètes d'aller, des gens qui ne sont pas allés à l'école pour savoir écrire même leur nom. Ce sont eux qui appellent beaucoup sur des chaînes de télévision ici, des radios, ils appellent tout ça. Hey, Ndeko, hey, boye, boye, na tounye zandengenini, ba nommé président, président ya Sadek, ba nommé ye, Sikoyo, biso ba Congolais, togozoa nini, akomi président ba pays moussou. Vous comprenez? Des gens comme ça, c'est pendant 30 ans. D'où le président Tshisekedi vient avec une réponse pour dire oui. Ces 30 ans, bon, ce sont des grandes personnes déjà. Présentement, qu'est-ce que je dois faire? C'est de matérialiser la gratuité. La rendre effective, la première chose. Il a fait. Les réclamations de gens, comme quoi, voilà, dans certains coins, il n'y a pas de salle de classe, ou ailleurs, on trouve un peu des bancs qui manquent, ainsi de suite. Ce sont des effets induits de la gratuité qu'on est en train de corriger et de réparer parce que pendant 30 ans, on n'avait pas construit d'école. Et on veut que dans 3 ans, ils construisent 5000 écoles. Du coup, non, il est en train de construire, mais la gratuité a commencé. Cela n'empêche pas qu'elle soit effective, elle est effective. Les enseignants qui ont vu le nombre d'élèves augmenter. Les standards de l'UNICEF, c'est 25 élèves par classe. Vous avez oui, 100 ça élèves, dépend. Ça 100 dépend. Élèves, 200 élèves. Ça dépend. Ça pour dépend. Pour quelle finalité? Moi, j'ai enseigné. C'est vrai? Ah ouais. Enseignant. J'ai enseigné. Il y a un de mes élèves qui est au gouvernement. Il est porte-parole du gouvernement. Patrick Mouyaya. Ah. Il faut me raconter les histoires, les standards de ceci, les standards. On est en train d'arranger la vie des gens, des enfants que vous avez laissé des Koulouna, vous criez aujourd'hui à l'insécurité dans des grandes agglomérations, pas
classe que vous avez créée, ces jeunes gens-là, à qui vous avez doté de machettes, de bandits des grands chemins, vous avez refusé que ces enfants aillent à l'école. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est entré de relever la vie de tout petit qui viennent, non, vous dites non, ce n'est pas ça. C'est quoi ça, cette histoire? Vous savez, il y avait combien d'élèves à Lissanga dans la salle de classe? Est-ce qu'il y avait 25? Il y avait combien au lycée Docteur Chaoumba, là où j'enseignais? Bukele y allait ici. Il y avait combien au camp Koukoro? Il y avait combien à la Puisette, là aussi, où j'enseignais? Parmi mes élèves, là-bas, ici à la Puisette, il y a Lexis Dende, Lexis. Lexis légal. Légal. Un petit très intelligent. Mais ils étaient à combien dans la salle de classe? C'est mon élève. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous distraire. L'éducation pour l'éducation, on fait l'éducation de qualité. L'éducation, c'est-à-dire, ici, l'éducation de base, on ne doit pas avoir des analphabètes d'aller, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas écrire leur nom en forme, parce que le contenu, il est le même. Le président de la République a rendu effective la gratuité. Il n'a pas changé le contenu, le programme. Le programme, il est le même. On enseigne. Cependant, il faudrait que l'enseignant soit dans de bonnes conditions. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a augmenté le salaire des enseignants. Il y a même la prime de la gratuité qui vient d'être payée, augmentée et payée il y a 2 semaines. Donc, on va en parler dans le social. Ça, c'est une façon de pouvoir régler le problème des chômages. Mais ce n'est pas tout. Vous savez, pour donner du travail aux jeunes Congolais, à une grande partie des Congolais, qu'on a laissé comme ça pendant 30 ans, sans permettre à ce que ces jeunes gens aillent à l'école, le président de la République, qui est en plein mandat, a initié et commencé déjà les programmes de développement à la base de 145 territoires. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas où est-ce qu'on nous en sommes. Oui, oui. Où est-ce que vous en sommes? C'est-à-dire qu'on a créé 3 structures pour pouvoir gérer, enfin d'éviter les rumeurs et tout ce qui a eu autour du projet 100 jours, 100 jours et du projet Chilegelou. C'est comme ça qu'il y a Beseko, qu'il y a PNID et les autres structures qui gèrent cette histoire. Ils sont en train d'avancer et le projet sera effectif. Donc, le 145 territoires, ce sont des grands projets comme ça qui vont donner du coup le travail aux Congolais. Est-ce que vous savez que ce projet est censé se clôturer en 2023? Oui, le projet est censé se clôturer en 2023. Il nous reste pratiquement une année et demie. Pas totalement, c'est-à-dire si on les commence comme on va les commencer ici en 2022, en 2023, ben, on va le faire. Ça fait partie, nous sommes le plus pressés. Parce que c'est un discours que nous aurons. C'est l'unique président de tous les présidents qui sont passés qui va au moins laisser son empreinte dans tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Il va le faire en Koro, il va le faire à Bagata, il va le faire à Kindu, il va le faire à Lodja. Dans la planification, c'était de 2021 à 2023. Vous savez, dans la planification... C'est de la moitié qui est déjà... Normalement, le temps de la moitié des gens. Le plus important, c'est d'améliorer les conditions de vie des Congolais, parce que les élections en soi ne sont pas une fin. Le président de la République aura un deuxième mandat, il sera réélu, et bien il va continuer. Comment vous pouvez en être aussi sûr? On regarde en face. Vous pouvez, vous, à votre niveau ici, on vous dit par exemple que le Paris Saint-Germain va jouer contre Vutuka de Bandundu. Donc, va jouer contre Paris Saint-Germain, de Neymar, de tout ça. Vous ne pouvez pas prédire la victoire. C'est qui? Non, les adversaires qui sont les adversaires qui se prononcent sont des adversaires faibles. Kabound, Fayoulou, et qui y a et Matata, et tout ça, Katumbi, Kabila, et Olive. Non, des gens. Mais c'est à vaincre sans péril. On triomphe sans gloire. On n'a pas besoin de tout ça. Mais
ils vont améliorer la qualité de l'élection parce que, eh ben, ils vont se présenter. Mais la victoire, elle est certaine. Mais entre-temps, elle est certaine. Au niveau du social, c'est catastrophique. Les sociales, qu'est-ce que vous attendez par social? L'indice de développement humain est qu'est-ce que très, vous très attendez faible. Par social? La RDC parmi les vous... États les plus pauvres du monde aujourd'hui. Vous savez, sur 190 pays doing business, nous sommes 184e. Vous savez, même les Soudans est au devant nous. Comment oui, on peut l'expliquer? C'est ridicule. C'est là où tu sais qu'il y a trouvé le pays. Mais regardez, on était encore plus bas que ça. On était plus bas que ça. On était plus bas. On était pratiquement l'avant-dernier. Aujourd'hui, si nous a relevé un peu là, c'est à partir de ces efforts. Parce qu'une erreur qui est en train d'être commise, je vous suis dans le réseau social un peu partout là, vous comparez 18 ans du président Honoré Kabila et les 3 ans du président Tshisekedi. Non, non. Regardez là où Kabila nous a laissé. Hein? Mais à ces jours, tout ça, moi, j'y suis... honnête de reconnaître. Je suis honnête de reconnaître que j'ai travaillé avec le président honoraire Joseph Kabila. Mm-hmm. J'ai fait partie de 2 gouvernements successifs et nous n'avons pas mieux fait que ce que le gouvernement actuel est en train de faire. Nous avons pataugé avec un budget de 6 milliards et le taux d'exécution à peine de 50%, c'est-à-dire 3 milliards, et ils nous frappent. Ils ont un budget de 11 milliards. L'honorable Mouzitou est passé pour dire que c'est du jamais vu en République démocratique du Congo. Vous voyez, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que ce que l'autre fait, si ça vous dépasse, mais ça dépasse. Il faut reconnaître, il faut éviter l'intox. Dire à la population, tout ça. Vous avez parlé... L'inflation. Vous avez parlons parlé... Parlons de l'inflation de la situation sociale. Qui est galopante. Dans le social de la population, parce qu'on en parle un peu le trop. Social. Le social. L'alimentation, le social de la population. Le logement. J'en arrive. Le transport. On a dit que le projet zéro trou a été exécuté. J'en arrive. Ah, ouais. Lorsqu'on parle du social de la population, on voit la santé. Et on va aller avec vous lentement, point par point. On voit la santé. Et là où nous avons la gratuité de la maternité, là où nous approchons pour que tout Congolais puisse accéder aux soins de santé à moindre frais, bientôt là. C'est ça même le sens du Parti socialiste. C'est ça même le sens de rompre ou de mettre fin aux injustices. Parce qu'il y avait des Congolais qui mouraient. Il y avait des Congolais qui mettaient au monde ici et les enfants avaient même des dents toujours gardées à l'hôpital ici de Mamayemo. Ce jour, vous pouvez accoucher et sortir librement, rentrer chez vous. Au niveau de la santé, ce n'est pas tout. Il y a des infrastructures sanitaires qui sont en train d'être construites. Et la gratuité va un peu partout. À part la santé, il y a l'accès à l'eau potable et à l'électricité. C'est du social. Le taux d'accès à l'électricité. Il est à combien de pourcent au niveau de l'Afrique? Il l'a trouvé entre 5 et 6,3%. Aujourd'hui, eh ben, ce n'est pas un peu trop, on est à une vingtaine. Dans 3 ans. Ce monsieur-là, est-ce qu'on ne peut pas lui accorder un deuxième mandat? Atabinimoko, Lembaimbu. Vous dites, non, je suis en train de vanter les histoires. Lembaimbu. Bientôt, là, Kakobola est aussi là. Bientôt, là, le barrage de Mwadingusha opérationnel. Vous avez suivi le sénateur Jean-Pierre Gombo vous dire que depuis qu'il est né, il n'avait jamais vu de courant là-bas, je sais. Les messieurs, comme ça, vous allez refuser de lui donner un deuxième mandat. Social. Parce que les gens, très souvent, appellent social, Kassi, à la commission sociale. Ça, c'est du social. Hein? Amener le courant là où il n'y en avait pas. L'eau, mais il doit donner à tout le monde. Mais, comprenons que ça peine 3 ans. Ce n'est pas 18 ans. Ce n'est pas 32 ans. Ça peine 3 ans. Mais il est en train de le faire. On avance. Il a promis aux jeunes Congolais de millionnaires. Oui, oui.
Il a promis. C'était la question qui se pose. Moi, j'en serai. En franc congolais, moi, ce n'est pas millionnaire. En franc congolais ou bien en dollar américain? Non, en dollar américain. Moi, ce n'est pas millionnaire. Combien de jeunes aujourd'hui? Moi, ce n'est pas millionnaire, milliardaire. Il n'y a pas de milliardaire congolais. On me cite le Dangote, les Nigériens, etc., tout ça. Nous devons travailler. On ne devient pas millionnaire en restant chez soi à la maison, le bras croisé. On doit travailler, on doit mériter, on doit concevoir des projets. Il n'y a pas un régime de jouissance, comme l'a dit Kabound. Non. Kabound, il raconte sa vie. Alors, on était en train de parler du social. Nous avons parlé de l'énergie, nous avons parlé de la santé, et on parle de l'habitat. L'habitat, il y a une façon d'y aller. Il est vrai que le président de la République, m'a donné, avec son gouvernement, ils finiront par construire les logements sociaux pour tout commun des mortels. Mais on est en train d'y aller catégorie par catégorie. Regardez ce qu'on est en train de faire pour le militaire. Par Sami Jamal. Qui pouvait... Non, Sami, c'est autre. Là, c'est ceux qui sont en fonction. Mais ceux qui sont maintenant à la retraite, ils ne pensaient pas qu'après la retraite, ils pouvaient bénéficier de villas pareilles. Sous le président de la République. Donc, on est en train d'y aller catégorie par catégorie et au finish, on donnera à même ceux qui ne travaillent pas. Les enfants des militaires. Oui. Les enfants des anciens combattants. Oui. Les femmes militaires qui ont... Les femmes... Les enfants des anciens combattants et les autres, ils ont droit aux soins de santé gratuitement et ils doivent être pris en charge. Les salaires. Oui, même les militaires congolais. Même combien touchent-ils? Un militaire. Les militaires, ils touchent... Un simple militaire. Les militaires, ils touchent... C'est les soldes. Solde. Et vous savez, comme dans tous les pays du monde, c'est organisé. Cette fois-ci, c'est un peu amélioré. C'est un peu amélioré, pas comme auparavant. Mais là-dedans, il y a à boire et à manger, parce qu'on doit mettre de côté tous ces rognards-là qui dégrainent un peu les salaires des militaires, parlons, de telle sorte que ce n'arrive pas parlons à sécurité. Tous les droits. Donc, sur le plan social, vous on avez retient, compris que... Vous retenez que le président de la République, parce que vous avez commencé par les étudiants, il est le président qui a remis les étudiants dans de bonnes conditions. Nous, jadis, quand on laissait les hommes 6 au niveau de plateau, et c'était quand même passable. Mais 10 ans après, il faut oublier. Mais à l'arrivée du président de la République, ça fait beau vivre. Les étudiants eux-mêmes peuvent témoigner. Hein? De ce que ça représente actuellement. Aujourd'hui, les professeurs de Niki ne sont en grève. Non, après avoir... Ça fait longtemps qu'ils sont en grève. Les médecins... Non, écoutez... Les infirmiers sont en grève. Le non-respect des engagements... Non, c'est tout à fait normal qu'ils le réclament. Ils veulent que le président de la République, leur président, qu'ils aiment tant, puisse faire tout au même moment. Vous voyez, je ne parle pas de la jalousie, mais j'ai constaté comme... Mon professeur qui a réagi dernièrement, le professeur Kitombolé, qui fut mon professeur de mathématiques, qui a réagi, c'est tout à fait normal sa réaction, parce qu'on ne pouvait pas comprendre que lorsqu'on donne aux émérites les véhicules par le président de la République... Ils ne sont plus en fonction, ils sont émérites. Non, mais lorsqu'on donne ces gens-là, ce sont des gens qui nous ont formés, ils ont travaillé, eh bien, votre tour viendra. Ce n'est pas une raison pour faire la grève. Vous n'avez qu'à constater cette bonne foi du président de la République. Comme il a commencé par les aînés, il finira par vous. La même chose avec le médecin. Quand bien même ils sont partagés, ils sont divisés, il y a ceux qui prestent et ceux qui ne prestent pas. C'est normal. Et la solution est en train d'être trouvée. Comparativement au régime passé, vous regardez ceux qui réclament, c'est pour que tout le médecin... soit mécanisé, c'est normal. Mais le président de la République, il ne fera pas tout au même moment. Sachez que les ennemis de la République sont en train de coaliser pour monter des guerres par-ci, par-là, et de l'intox. Vous savez qu'il y a un qui s'est permis jusqu'à aller dire que non, moi je vais aller faire le lobbying pour empêcher à ce que les investisseurs sérieux puissent venir ici. Dommage qu'il a échoué dans sa démarche. Donc ils sont nombrés comme ça, ceux qui travaillent contre le Congolais, et brandissent la casquette selon laquelle
Ils aiment tant le Congolais, le président Félix est en train d'échouer, le président Cécile. Alors, mais, vous avez suivi quand même la communication du gouvernement, oui. Le conseil des ministres du vendredi, où le ministre de la communication dit que le projet Kinshasa 03 est déjà exécuté, le financement s'est déjà fait à 96%, soit 96%. Vous circulez à la ville de Kinshasa, le projet s'appelait Kinshasa 03. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que ce projet-là est une réussite? Je soutiens le président de la République, mais je ne soutiens pas l'incompétence de quelques personnes choisies pour accompagner le président de la République. J'ai été le premier à réclamer le remaniement du gouvernement. Warriors. Ben, on doit remanier le gouvernement. On doit remanier le gouvernement. Il y a des gens, soit, qui sont venus pour torpiller l'action du président de la République, soit qui sont là parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'Union sacrée. Ça aussi, c'est vrai. Hein. Ils n'ont jamais compris que c'est la vision du président de la République. L'Union sacrée n'a jamais été un prolongement de la coalition FCC-CACH. Ceux qui ont ça dans leur tête, ils travaillent comme ils le font là. L'argent décaissé à 80%, et les trous, on en trouve un peu partout. Moi, pour arriver ici, c'est un problème. Les rares coins où nous avons des kilométrages importants, c'est la route nationale. Quand vous regardez dans les grandes agglomérations comme ça, le président doit s'impliquer. Vous vous en dites, le président de la République doit s'impliquer pour une route dans la ville de Kinshasa. Que fait le gouverneur de la ville de Kinshasa? Que fait le gouverneur de la ville de Kinshasa? Où met-il les impôts? Quelle stratégie a-t-il pour arranger les routes? Il ne faut pas seulement... Un jour, j'avais parlé aux gens de l'OVD que l'insalubrité que nous avons dans notre ville, ici de Kinshasa, dans notre pays, peut être transformée en opportunité économique importante. Les bouteilles là, que vous voyez, ça peut nous aider à asphalter nos routes, ici à Kinshasa. On a expérimenté, on l'a fait ici à Barumbu. Les bouteilles que nous avons là peuvent nous aider à construire des trottoirs. Comment le gouverneur Ngobila peut prendre des gens, il les met sur la route, en train de balayer, là où il n'y a pas de trottoir. Ils prennent de la poussière, ils mettent dans les caniveaux, ils prennent ce sable-là qui va à côté, là où il n'y a pas de trottoir, ça va rentrer le soir même sur la route. Mais vous faites un gaspillage inutile. Je l'ai dit à la télévision parce que je lui ai parlé déjà. Il faut le remplacer. Je lui avais dit, non, écoutez, monsieur, il faut faire des trottoirs. Et quand vous faites des trottoirs, il y aura des arrêts que vous allez créer. Et quand vous allez créer des arrêts, vous allez créer une brigade de stationnement. Et ça va vous faire entrer de l'argent. C'est des milliards que vous allez faire entrer ici, à Kinshasa. Est-ce que là, ce n'est pas appliqué? Mais non, ce n'est pas appliqué. C'est pourquoi vous voyez des routes et que c'est le gouvernement central qui sort l'argent pour des points à temps. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, Gobila, c'est un mauvais gouverneur. Non, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire pour accompagner normalement le président de la République. Il faut le remplacer carrément. Non, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ce qu'il doit changer. Il doit inspecter. Je vois mon frère, que j'aime beaucoup, qui est maintenant vice-gouverneur. C'est Koko Mulumba. Mais juste depuis qu'il est là, qu'est-ce que les Guinéens ont vécu? T'as la créé inspection pour que t'as la place d'une maboule et zali. Oyebi commanding tout ça là. Il ne faut pas rester, vous entrez aussi dans le confort. Oula, kungina bango. Té, abouyete. Oyebi, lipasa. Oyebi malamoute. Bongote. Non, c'est pas comme ça qu'on doit accompagner le président de la République. Des points tata. Réclamez et faites-les. Vous savez, un jour, j'ai amené. Les embouteillages. J'ai amené le gouverneur de Haut-Katanga. Je l'ai amené en Égypte. Pendant que vous étiez ministre de l'Intérieur. Oui. Parce qu'il faut montrer aux gens. Je l'ai amené pour dire non, viens voir un peu comment les autres font. Une route qui n'est pas protégée, elle est agressée chaque jour. J'en ai parlé maintes fois au gouverneur Bouyege. Vous ne pouvez pas avoir des routes où vous n'avez pas de trottoirs. Ce n'est pas normal. Comment Ngobila part chaque fois, il part en Europe, moi na poto. Gérard, moi na poto. Où est-ce que vous avez déjà trouvé des routes sans trottoir, mes frères?
Et pour ça, le gouvernement central doit vous donner les moyens. Après l'Égypte, j'ai permis à ma petite équipe de pouvoir accompagner le gouverneur Kiaboula en Afrique du Sud pour qu'il voit que boucher les trous dans la ville sans rien, c'est à moindre coût. Et il y a des gouverneurs qui comprennent. Quand je discute avec eux, ils me comprennent. Prenez l'exemple de Christophe, c'est lui qui est gouverneur de Haute-Ouélé. Il m'a compris, il a créé sa propre brigade, il travaille, vous voyez comment il fait le travail. S'il avait des entrées comme nos amis ici. Avec 10 millions, 15 millions d'habitants, c'est quand même... Et vous vous organisez pour avoir un dollar sur chacun de nous chaque jour. Ça fait 15 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Comment vous ne pouvez pas développer une intelligence pour avoir ces moyens? C'est parce que je ne suis plus au stade de l'intervenir là-bas. Kinbopeto, est-ce un échec ou une réussite? Kinbopeto, c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Comment vous allez dire Bopeto là où il y a des trous comme ça, des trucs comme ça, de tout ça? Regardez ici, rien qu'au niveau de la poste. Comment on est incapable de pouvoir débarrasser la vie, de la ville de tout ce qui dérange ici? Promenez-vous les soirs ici dans la ville. Sortez devant votre bureau ici. Sortez le soir, vous verrez ce que ça représente. Parlons de Il y a quand même des choses à faire. Je pense qu'ils ont saisi le message. S'ils ont besoin des éléments, on est là pour donner gratuitement, pour donner, pour informer. Les combles avec nos amis, c'est lorsque vous dites des choses comme ça, ils vous disent non, ben, il y a la xinine, il y a Aïebie Lukonine. Non, ce n'est pas très bien. Vous savez que. Les déchets plastiques que nous avons, avec le nombre de motards et de véhicules que nous avons ici dans notre pays, ces déchets plastiques, par la méthode que nous appelons la pyrolyse, peuvent être transformés et produire du carburant et du fuel, oil, pour la fabrication de ciment. Il peut ici, comme nous n'avons pas une usine ici, de la cimenterie ici, se mettre à produire ces fuels pour pouvoir baisser le prix du ciment. Ici, par exemple, à Lukala, ou bien à côté. Grâce à nos déchets. Mais oui, à nos déchets. C'est des millions de dollars que nous avons chaque jour. Et bien, on s'est dit, non, Kinshasa, c'est la salité. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas. La pyrolyse, c'est un peu partout. C'est un peu partout. Le Sénégal à peine commence à prendre. Nous ne pouvons pas produire de l'essence et même du gazoil à partir de nos déchets que nous avons ici. Et on en a combien? Quelle quantité de déchets que nous avons dans la ville et qu'on ne sait pas faire? Non. Demander, on va... D'accord. On est là. On demande rien. Gratuitement. Acceptez d'apprendre, on va vous dire faire. On va parler de l'insécurité dans la partie Est. 3 ans après, comment trouvez-vous la gestion de l'insécurité dans la partie Est? Vous savez que l'insécurité dans notre pays est voulue et entretenue par les multinationales et les pays voisins qui convoitent nos richesses. Ajoutez à cela l'égoïsme de... certains fils du pays et aussi la mauvaise gestion foncière. Parce que les autochtones ont été trouvés aux endroits qualifiés aujourd'hui des aires protégées et, mais hélas, chassés de leurs endroits, ils sont privés de pâturage, ils sont privés des liens d'exploitation des ressources naturelles. Tout ça, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, qui demande vraiment une sagesse de la part de tous ceux qui ont les affaires à main actuellement. Mais étant donné que nous soutenons la vision du président de la République et que nous devons donner quand même certaines orientations... Ah, jusque-là, le constat est amer. Oui, nous disons que par rapport au régime passé, il y avait plusieurs groupes armés,
dans notre pays, et surtout à l'Est, locaux et étrangers. Mais aujourd'hui, il y a une diminution sensible de la présence de ces groupes armés à l'Est du pays. Ce qui a fait que les pays voisins, comme le Rwanda, qui a vu cette diminution sensible, les groupes armés locaux s'étant rendus, ils ont vu que non, oui, la paix va s'installer complètement, totalement à l'est du pays. Et ils ne se sont plus cachés. Ils nous ont agressés. Et depuis 20 ans, la communauté internationale était incapable de pointer du doigt le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo, à l'est. Aujourd'hui, avec la diplomatie et l'insistance du président de la République, vous voyez que le Rwanda est mis à nu. Mais est-ce que cela suffit? Nous ne sommes pas un régime de plénichards, nous, la République démocratique du Congo. Il y a la complicité de la communauté internationale. Mais on ne sait rien qui fait. Qui fait que... La RDC est incapable avec avec une défense qui n'a pas un budget conséquent pour résoudre la sécurité. De budget. Suivez, c'est très important ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous savez que on nous a contraints sur plusieurs choses. Premièrement, nous sommes un pays mis sur embargo. C'est-à-dire l'achat des armes. Si on veut avoir une armée dissuasive, on doit avoir une armée qui a un effectif important en hommes et aussi un armement qui peut faire peur à l'adversaire. À ce qui concerne l'armement... Déjà le budget, consacré à la défense. À ce qui concerne l'armement, on est sous embargo. Et sous embargo, pourquoi? Pour une fausse histoire de Letiti Mboka, à l'époque de Koyagiyalo. Vous comprenez ce qu'elle est en train de payer. À l'époque de Koyagiyalo, l'opération Letiti Mboka de l'Inilou, une fausse histoire montée de toutes pièces, on nous met sous embargo. On évolue, on nous soumet sous une contrainte que nous devons ratifier les traités sur le commerce des armes. Ça, on ne vous a jamais dit sur un plateau de télévision. Je l'ai dit parce que vous insistez, parce que les gens racontent beaucoup d'histoires. Non, tu sais qu'il dit. Il y a des choses qu'on ne sait pas mettre à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, avec la diplomatie du président de la République, nous, on nous avait contraints d'abord pour identifier ce que nous avons comme armes. Qui vous avez contraint? Oui, tu sais que j'étais président 2 ans de REXA. REXA, c'est une structure régionale qui regroupe plus de 15 pays pour la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Et pour cela, il fallait créer des armeries que vous voyez ici. J'en demande de combattre la Salaguinine. Vous voyez des choses comme ça? Ça me rappelle d'ailleurs. On a créé pour identifier les armes. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'il faut faire très attention, parce que dans ces équipes-là, ceux qui travaillent, ce sont pour la plupart des Rwandais. Mais on l'a fait. Aujourd'hui, nous devons mettre fin, nous devons nous mettre debout, nous les Congolais, derrière notre président, pour mettre fin à l'hypocrisie internationale. Mais la société civile du Nord Kivu, de l'Ituri, de Bouni... Pas seulement la société civile de là. Elle se plaint. Dit, tous les Congolais, nous devons nous mettre debout. On doit mettre de côté cette histoire d'embargo. Il y a la résolution 2641, ici, qui nous demande encore que nous devons nous agenouiller devant la MONUSCO. Cette MONUSCO-là qui a tiré sur nos gens. Vous comprenez? Pour acheter ce que nous devons acheter... Ils doivent regarder la quantité, la qualité que nous devons acheter. Or, ce sont ceux-là même qui complotent avec l'ennemi. Pour dire, là, écoutez, là, ils viennent de faire ça. Écoutez, vous devez vous préparer autrement. Qu'est-ce qu'il faut? Nous devons nous imposer pour que l'on puisse lever totalement l'embargo et que la République démocratique du Congo puisse se procurer des armes.
J'ai aimé le déplacement du ministre de la Défense. À Moscou? Oui, en Russie. En Russie? Oui, que ça ne soit pas du simple tourisme. Qu'ils prennent des engagements sérieux. Ça ne risque pas de mettre en mal les partenariats. Non, là, j'ai dit qu'ils prennent des engagements sérieux. Que nous avions avec les États-Unis. Deuxièmement, que le ministre de la Défense, qui est membre du gouvernement, y compris tous les gouvernements, et les ministres de la Recherche et Scientifique, qui comprennent que c'est le moment où la République démocratique du Congo doit avoir une industrie forte de la défense. Mais avec 400 millions, avec 400 millions de dollars de budget annuel pour la défense, un État qui a agressé pendant plus de 20 ans. Oui, c'est ça le problème. Les gens étaient complices et ils s'en foutaient, ils ne voulaient pas que les choses s'arrangent. Vous parlez de 400 millions, c'est des trucs, aujourd'hui on a augmenté. Mais à l'époque, jadis, lorsqu'on avait un budget de 6 milliards et des taux d'exécution de 3 milliards, est-ce que vous pouvez parler des 400 millions? Bon, ça, on va arranger les choses. Mais je parle de l'industrie de la défense, ici. Parce que quand bien même nous devons tendre la main vers les autres pour avoir un armement qui peut faire peur aux voisins, aux agresseurs, nous devons apprendre à fabriquer les armes ici, dans notre pays. Et cela a été déjà fait. Ces questions de récupérer, c'est pourquoi je m'adressais au ministre de la Défense et aussi au ministre de la Recherche scientifique, José Panda. Comme ils ne sont pas venus, moi je vais aller vers eux. La RDC qui n'a pas d'infrastructure, la RDC qui n'a pas... Qui vous dit? Sous base de quoi nous pouvons... On a déjà fabriqué. Vous savez quand, à l'époque, le président Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, vous disait que la guerre sera longue et populaire. C'est parce qu'il s'était appuyé sur nous. Il a appelé les chimistes que nous sommes. Moi, je suis chimiste. Hein. J'ai fini à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences, en 1990, comme disent les Belges. J'ai fait la chimie analytique. Et là, nous sommes retrouvés pour voir comment on peut accompagner le président de la République à l'époque, Laurent Désiré Kabila. Et on a fabriqué. On peut les faire aujourd'hui. La RDC est capable de fabriquer ça? Oui! Je l'ai dit. Sur quel site? Bon, ça, ce sont des détails qu'on ne peut pas vous donner ici. Mais sachez que ceux qui suivent le ministre, vous avez des Congolais, des compatriotes qui peuvent faire mieux. Et vous avez des gens qui ont déjà fait de preuves qui sont capables de faire quelque chose pour aider notre pays. Mais rejetez pas tout. Si à Kinshasa, ici, ils rejettent de récupérer les bouteilles ici pour en faire de l'argent, mais vous aussi, on en a besoin. Les États-Unis, c'est un partenaire qu'on doit considérer ou on doit tout oublier? Non, on doit... Le passage d'Anthony Blinken a déçu tout le monde? Non, non, on ne doit pas les rejeter à 100%, ni les adopter comme... ceux qui peuvent nous donner la solution. La solution, la paix dans notre pays viendra de la détermination des Congolais. Et comme le président de la République a cette ferme détermination de mettre fin à la guerre, tous derrière lui, comme un seul homme, ça va aller. Je vous ai donné, j'ai dit la première des choses, c'est de faire pression pour que les conseils de sécurité puissent lever l'embargo. Ils ont des représentants ici. Ils doivent vivre que nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas. Deux, nous avons dit que nous devons faire partir cette équipe de la MONUSCO. La MONUSCO doit partir. Et le président est d'accord, vous avez vu. À l'époque, l'ancien régime avait un programme signé avec la MONUSCO pour 2024. Mais actuellement, on dit qu'on doit écourter un peu cette durée. Ils doivent partir d'ici là. Ils quittent le sol. Mais ils vont nous faire du chantage. Pour dire, non, voilà, après nous, c'est le délige. Écoutez, les Congolais ne sont pas organisés comme d'habitude. Non, non. C'est pourquoi l'heure de départ doit coïncider avec la levée de l'embargo, pour que nous puissions être suffisamment armés, et on va corriger le Rwanda. C'est une histoire de quelques minutes. On va terminer avec la justice congolaise, l'arrestation de Jean-Marc Kabound, qui fait la une de l'actualité. Kabound qui est arrêté.
La Cour de cassation a ordonné sa mise en liberté provisoire, mais jusque-là, elle est toujours en détention. Human Rights Watch qui publie un rapport selon lequel le président Tshisekedi ne tolère pas suffisamment les critiques politiques. Ses opposants sont traqués. Non. Ils ont évoqué des cas dans l'est de la RDC. Ici, on a traqué un cadre de la Mouka, de l'essayer de Martin Fayoulou, qui est en prison actuellement. Il y a une confusion dans les têtes des gens. Et j'ai suivi même quelqu'un, un professeur, qui faisait l'apologie des insultes. Franchement. Donc, il ne faut pas confondre les critiques avec les injures. Surtout les injures prononcées sur la place publique. Non. La démocratie que nous voulons tous ne rime pas avec les injures. Mais Martin la liberté traité, que nous voulons tous traité, ne rime pas tu sais avec... Dit, le président Tshisekedi de placebo, on ne l'a jamais inquiété. Mais il sera arrêté s'il continue, qu'il le répète. Nous ne sommes pas dans une jungle. Quelle immunité il a de pouvoir insulter le président? Moi, je ne peux pas l'insulter. Je vais insulter Martin. Martin, je vais l'insulter pourquoi? C'est ça aussi la tolérance de certains responsables de services. La loi est dure, mais c'est la loi, il faut l'appliquer à tout le monde. On ne doit pas permettre à certaines personnes d'outrepasser la loi. Pourquoi on arrêterait alors les Koulouna? Vous vous mettez sur une place publique, en train d'insulter le président de la République, vous dites « Non, ben moi, parce que je suis Jean-Marc et tout ça. » Non. Il y a une maladie dont le chef de certaines personnes qui ont vécu avec les autorités. Ça s'appelle la maladie de la familiarité. La familiarité, c'est lorsque quelqu'un qui a vécu avec vous, vous devenez président de la République, il ne reconnaît pas l'honneur que l'on vous doit. Il vous manque du respect, il vous considère comme tel l'époque où vous viviez ensemble, et il peut se permettre de tout dire, croyant que non, vous êtes toujours copain comme à l'époque. Mais ce qu'il a dit, si on analyse le fond de ce qu'il a dit, est-ce que quelque part les Congolais ne s'y retrouvent pas? Ce qu'il a dit est faux. Il a dit que le président de la République détourne l'argent, des millions, il met dans des jets privés qu'il amène dans des paradis fiscaux. Qu'il le prouve. Ce qu'on dit toujours, celui qui veut noyer son chien l'acquise de rage. Pour faire haïr le président de la République auprès de la population, il faut calomnier des choses. Ce n'est pas intéressant. Peut-être qu'il a dit qu'il avait des preuves. Non, s'il a des preuves, c'est pourquoi la justice... Il a même demandé que son audience soit retransmise à la télévision nationale. Exactement, on veut bien. C'est pourquoi la justice l'a appelé. Ce n'est pas pour nuire à sa vie. C'est pour qu'il apporte des preuves. Et une fois apporté des preuves, on mettra la main sur le président de la République. Oui, monsieur, pourquoi tu as détourné cet argent? Voilà là où tu as fait garder. Voilà des preuves. Irréfutable. Jean-Marc Kabound qui dit que Tshisekedi est un danger pour la nation. Oui. Franck Diongo dit que Tshisekedi est une menace pour la nation. Deux anciens alliés qui disent la même chose. C'est des choses différentes. Écoutez. Lui, Kabound, il vous dit que Tshisekedi, c'est un danger pour la nation. La nation. Je vous demande tous. Lèvons-nous pour aller les chasser. C'est la déstabilisation de l'institution président de la République. Sur le plan sécuritaire, c'est très grave cette déclaration-là. Ne la comparez pas avec Diongo qui vous dit c'est une menace, il s'arrête là. Il y a des choses que vous suivez à la télé, comme tout commun des mortels, à ne pas comprendre. Imaginez-vous que ce discours soit suivi par des Congolais. Heureusement que le président Félix est le chouchou des Congolais. S'il n'était pas le chouchou des Congolais, mais les Congolais allaient se mettre debout dans la rue, imaginez les conséquences. 15 millions de gens vers la cité de l'Union africaine, mais on allait vivre
ce qui s'est passé en Chili, ici, au Congo. Les gens sont partis pour chasser le président de la République, qui est un danger pour ce pays, qui détourne, qui est un juissaire. Nous devons le faire partir. C'est extrêmement grave. C'est grave. Et c'est grave, c'est plus grave parce que celui qui a dit ça ne réalise pas la gravité de ses propos. Il a été très très proche du président Tshisekedi. Mais c'est grave. Il connaît certaines choses. C'est extrêmement grave que vous devez l'éprouver. C'est extrêmement grave. Non seulement que vous appelez la population à déstabiliser l'institution présidente de la République, mais aussi vous les calomnier. Lorsqu'il se rend compte que lui-même, qui est venu avec le président de la République, lui, qui a constaté que dans ces pays, les gens se promenaient avec le cercueil du président honoraire Joseph Kabila, mot Golgotha, je me rappelle encore, à l'époque où je fus vice-ministre et ministre, on a envoyé à son temps l'actuel général, commissaire provincial Kasongo, il était encore colonel Kasongo, avec les équipes de gaz lacrymogène et de camions là avec de l'eau, tout ça pour disperser. Vous êtes fier de ça? Non, j'ai toujours demandé pardon, mais il n'y a culpa. Et ces mêmes personnes aujourd'hui, on veut vous faire dire que non, ce sont ces mêmes personnes-là qui réclament que Kabila rentre, pendant que le salaire d'un fonctionnaire a augmenté terriblement, pendant que le fonctionnaire a accès aux soins médicaux, lui et ses enfants. Dit non. Des gens qui font des montages comme ça, ils doivent arrêter. On est en train d'aller. Les gens qui font des montages comme ça, ils doivent arrêter. Franchement. On est en train d'aller lentement, mais sûrement à la fin de notre émission. Comment voyez-vous le reste du mandat du président Tshisekedi? Ben, c'est dans quelques mois, pas plus de 15 mois. Ben, le mandat, je vous ai dit, c'est un succès. Hein. À un coup d'essai, c'est un coup de maître. Il rivalise, il dépasse de loin celui qui a fait 18 ans. Et ben. C'est pourquoi la raison pour laquelle je vous ai dit qu'ils sera... ont le droit de réponse. Hein. Ils ont le droit de venir répondre aussi à ce que vous avancez. Comme mais qu'ils viennent dire les contraires, qu'ils viennent nous dire les contraires, qu'ils viennent nous dire que non, à l'époque, les fonctionnaires avaient droit aux soins médicaux gratuitement. Si ce n'est à l'époque de Mobutu, où nous avions, nos parents avaient des cartes ayant droit, jaunes là, qu'à l'arrivée de Kabila, on a supprimé. Ça n'existait pas. Qui vient nous dire qu'à l'époque de Kabila, les femmes accouchaient gratuitement, si ce n'était l'appel à Maman Olive, qu'on vienne libérer. Qu'on vienne nous dire qu'à l'époque de Kabila, il y a eu la gratuité, que les études de base, là, nos enfants ne payent rien. Ils vont là-bas gratuitement. Bah, qu'on vienne nous dire qu'à cette époque-là, il y avait une usine ou une industrie ici pour pouvoir fabriquer des batteries ici à base de lithium. C'est comme si le lithium est l'invention de Tshisekedi. La dernière partie de l'émission. Hein? Avec le lithium, l'invention de Tshisekedi. Quelques images que vous allez voir. Oui. Vous allez voir quelques images qui vont défiler. Oui. Et vous allez commenter. Oui. Je demande la première image à la régie. Quel est le bouton? Vous avez un mot à placer? Oui, c'est l'AG de la NER à l'époque, en cavale. En cavale. Eh bien, c'est comme tout le monde. Même moi, j'avais eu... une convocation au parquet, je suis allé répondre. Il doit répondre. Moi, je suis allé, on m'a envoyé une convocation, je suis allé répondre. Donc, il doit répondre. Un homme bien fort affronte les obstacles. Il faut affronter les obstacles. Il
faut affronter, il ne faut pas fuir, il faut affronter les obstacles. Va les répondre. Bah. Okay. D'accord. Deuxième image. Oh, John. Oui, je connais. J'ai travaillé ensemble. J'ai travaillé ensemble avec lui. J'ai été chargé. Franchement, je ne comprends pas les Congolais. Hein. Vous voyez, le président Félix, c'est un ouin de Dieu. Comment ça? Le président Félix m'avait chargé un jour d'aller en mission avec John Numbi pour aller mettre fin à l'insécurité dans des mines, des concessions minières appartenant à autrui. Ils sont partis faire le travail. Et on l'a fait très bien. Et au finish, on vient nous révéler et les comportements de ce général. Mais c'est irritable, je me dis, mais nous étions assis sur des charbons ardents. Lorsque j'ai vu tout ce que vous avez montré comme image, comme tout ça, et je me dis, mais c'est terrible. Donc, on mange avec le diable. Et c'est pourquoi j'ai dit, on doit nettoyer la cour du chef. Certainement, il y a encore des infiltrés qui sont là. Et ils sont là. Ils sont là. Parce que les gens ne veulent pas que je sois tout près du chef. On vous empêche. Ah oui, mais heureusement que lui-même est en train de suivre l'émission, il comprend. Bon, il n'y a pas tout à dire. Mais on doit nettoyer, hein. On doit nettoyer, parce qu'il y a des gens, il faut faire très attention. Si je regarde comme ça, il y a certaines nominations, on fait, on nomme des gens. Je dis, mais qui a proposé des choses comme ça? Mais ces messieurs, ce... On prend la troisième image. Ah, c'est Kagame. Oui. Le président rwandais, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme je vous ai dit, c'est un ouin de Dieu, toute personne créée à l'image de Dieu, il l'appelle frère. Le président de la République l'a appelé frère parce que c'est un être humain créé à l'image de Dieu. Mais ce monsieur a confondu la gentillesse, la bonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec une certaine faiblesse. En viant les ressources de notre pays, il s'est camouflé derrière une milice appelée M23, pour pouvoir chercher à poignarder celui qu'il a appelé frère dans le dos. Non. Il doit savoir une chose. Lorsque nous sommes allés avec l'équipe nationale CHAN au Rwanda, il y a des choses que j'avais prononcées à l'aéroport de Kigali. J'ai dit, tel que nous sommes arrivés aujourd'hui, vous Rwandais, vous devez le savoir. Nous sommes venus pour que Dieu puisse vous humilier et vous dire que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Aujourd'hui, je vous parle avant le début de CHAN. Nous sommes venus ici, Dieu va vous confondre. Nous allons remporter cette coupe. Kagame va prendre la coupe et remettre aux Congolais. Et durant cette compétition, nous aurons l'occasion de rencontrer le Rwanda. Et nous allons battre le Rwanda au Rwanda. C'est un message que vous capterez de génération en génération pour que vous ne puissiez plus oser vous amuser de la République démocratique du Congo. Je vous dis qu'aussi, et ce qui a été fait, nous avons battu le Rwanda en quart de finale et nous avons gagné la coupe en finale et Kagame a pris la coupe pour remettre au léopard de la République démocratique du Congo. Ça a été acté.
Ce que les gens doivent savoir, et que les Congolais, tous, nous devons nous mettre debout pour exiger la levée totale de l'embargo. Une fois que l'embargo est levé, dans moins de 2 jours, Kagame et le Rwanda ridiculisés. Je vous dis. D'accord. Kagame et le Rwanda ridiculisés. D'accord. C'est que aussi les gens doivent savoir. Pour finir. Je vais finir là-bas avec le dossier Rwanda. Nous, je vous ai dit, nous ne sommes pas un régime de pleurnichards. Des gens qui sont là pour se plaindre, non, le Rwanda nous a fait ceci, le Rwanda, etc. Le Rwanda. Nous sommes rendus compte que le leadership de Kagame, ce n'est pas le leadership du bon voisinage. Cependant, les Rwandais nous aiment beaucoup. J'ai des amis rwandais, il y a même des amis qui sont des ambassadeurs, tout ça. J'ai des amis rwandais avec qui on vit très bien. Aller au Rwanda, ce n'est pas le... mon grand frère ici, Eugène Kabongo, qui va me contredire, ou qui, notre entraîneur et coach Ibenge, ou bien les sénateurs Denis Kambay. Vous avez vu la joie au Rwanda, comment ils nous ont offert des lapins. Nyama Choma. Comment les Rwandais nous aiment, nous les Congolais. Donc, le problème, c'est le leadership du Rwanda qui n'est pas un leadership du bon voisinage. Donc, tout en réfléchissant sur l'armée, que nous devons avoir une armée dissuasive, nous devons également réfléchir sur le leadership là-bas au Rwanda. Je pense qu'il faudrait avoir un président qui respecte le Congo. D'accord. Une autre image, mais de façon un peu plus brève. Voilà. Mon frère Moïse, on ne sait pas ce qu'il veut. C'est votre partenaire. Il est dans l'Union sacrée. Il ne partage pas le bilan magnifique du président de la République. Il veut quel bilan? Celui qui a fait qu'il rentre au pays ici en lui accordant le passeport, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je sais qu'à l'époque, j'étais encore ministre. J'ai dit recevoir des instructions pour donner même à ses collaborateurs le passeport pour qu'ils viennent ici. À part ça, il y a la gestion telle que nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, il est au courant et il le sait très bien qu'il y a une crise mondiale à cause de la guerre en Ukraine. Il y a cette hausse du prix du carburant et de céréales. Ajouté à cela, c'est que nous avons connu, qu'on n'a jamais connu ici en République démocratique du Congo, cette pandémie de Covid, et ça n'a fait qu'augmenter la crise. Mais des gens comme ça, ils se mettent pour critiquer, pour dire la vie chère en République démocratique du Congo. Moi, je viens, je termine la guerre en Ukraine, je viens, je fais ceci, je viens, je donne des solutions. Non, non, non. Non, non. D'accord. Non, non, je pense qu'on doit être sincère. Lorsqu'on a accepté une voie, je pense que cheminons ensemble et demain, eh bien, ça viendra. Et puis, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est un problème qu'on ne pouvait pas évoquer ici parce que peut-être on risque de parler de la discrimination. Mais il y a un problème avec nos frères. Aujourd'hui, nous sommes agressés. Mais pour les voir, lever un petit doigt pour condamner le Rwanda, comme on vient de le faire ici, c'est tout un problème. Ils ont peur. Donc le Congo ne peut pas être dirigé par des peureux, hein, qu'ils le sachent. Les peureux peuvent aller jouer avec les émotions au niveau du sport. Mais diriger un pays comme ça, un peureux, non, hein, ça ne tiendra pas. D'accord. C'est ton encouragé, comme le président Tshisekedi. Et qui vous disent que non, c'est toi qui m'agresses, monsieur. D'accord. Une autre image. Aujourd'hui, tu les as sélectionnés tous. Non, c'est le président AI, honoraire de l'UDPS. Il est parti, il est le président fondateur de son parti. Et je pense que il a fait ce qu'il a fait, il a trahi,
et il aura le sort, va subir le sort des traîtres. Vous savez, dans la Bible, tous ceux qui ont trahi, regardez, Aaron et Marie, tous ceux qui ont trahi Moïse ont eu la lèpre. La trahison avec notre frère, elle est extrêmement grave. Il était simple membre du parti, devenu secrétaire général par la volonté de la famille biologique de fait Étienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme. Biologique. Devenu président AI par la volonté de l'UDPS, de toutes les fédérations, et surtout l'insistance du président de la République qui était président du parti, pour qu'il le soit. Pour sa toute première fois dans sa vie, il exerce des responsabilités du premier vice-président de l'Assemblée, pour la toute première fois comme travail officiel. C'est grâce à ces gens-là. Aujourd'hui, un bon matin, parce que ayant commis des bévues, comme vous l'avez remarqué là sur la route, écarté à cause de sa propre turpitude, il va insulter le président. Libre à lui, il a créé son parti, bravo, mais vous verrez ce que je vais vous dire. Que la lèpre politique va le suivre avec tous ceux qui vont l'accompagner. D'accord. Ils auront la lèpre. D'accord. Une autre image? Oh, Joseph. Oui, mais lui, il ne veut plus l'histoire de la politique. Les gens veulent le mêler dans l'histoire de la politique, tout ça, non. Il a fait son temps, il a fait 18 ans. Eh bien, il ne veut plus. Il ne veut plus. Il dit, bon, le président, je sais qu'il a gagné, le président a dû de travailler. Ce sont des gens qui se disent, mais non, ben, c'est notre mort politique si lui ne parle pas. Ben, vraiment, il n'est pas intéressé à ce que les autres font. Beaucoup plus, vous le voyez faire des meetings. Non, il ne le fait pas. Par contre, il est dans des rallyes, des motos, tout ça. C'est ce qu'il aime. Donc, qu'on les laisse tranquilles. Il a fait 18 ans, il dit, il se repose. Il se repose, il fait ses rallyes, qu'on les laisse tranquilles. Il a des enfants, il regarde ses enfants grandir, il regarde ce Congo. Ben, il nous disait toujours qu'il aime beaucoup le Congo. Quel souvenir gardez-vous de... Quel souvenir gardez-vous de lui? Les souvenirs, je garde un très bon souvenir, les jours où il m'a appelé pour qu'on aille en Égypte, à cause du barrage qui est en train d'être construit en Éthiopie. Il y avait plusieurs personnes, il est venu me parler à l'oreille, en me tenant à l'épaule. Ça, c'est le premier cas. Pour me dire que non, que je reste négocier avec le gouvernement égyptien. Et il faut faire la corrélation entre les aspects sécuritaires et environnementaux liés à ces dossiers-là. On a discuté, c'était très bien, j'avais compris que non, oui, il y avait de la considération. Deuxième souvenir, c'est lorsque j'ai pris mon temps de tout ce que les gens racontaient de lui. Kabila Bé Tarabat Nakingakat, Kabila Asala Aboui. C'était mensonge. Oui, je lui ai dit, en présence de tous les membres du gouvernement, que, un, il ne pouvait plus postuler pour la troisième fois. Deux, que le problème que nous avons dans ce pays, c'est lui le problème. Parce que son silence est dangereux. C'est à lui que je m'adresse. Et trois, que pour l'histoire de FCC, qu'il laisse un temps. On se retire. Après trois jours, on va rédiger par écrit et qu'on va le ramener. Et quatre, le fait d'avoir gardé pendant tous ces temps, n'est pas parlé de dauphin, il a créé la mort politique
de tout son entourage, parce que le dauphin qu'il va donner maintenant là ne passera pas. Et deux jours après, les gens ont fait des bêtises pour dire non, ben toi, on va te tuer, on ne dit pas, on ne parle pas comme ça au président, tout ça. Je reviens et on a parlé et il a sorti le dauphin. Il a dit bon, que le meilleur gagne, que les choses aillent de cette façon-là. Troisième souvenir, il y a une photo que j'ai avec lui où il a ri vraiment aux éclats. Et là, et il m'a appelé pour dire viens, on va prendre une photo. C'est la première fois, on va prendre une photo. Alors, là, je sais que la veille, Kalev, quand il me présentait, il voulait me présenter, lui, il m'appelait Ndeko Basile. Et Kalev dit, oui, c'est monsieur qui t'insulte. Je dis, non, je ne vous insulte pas, je vous critique. Ah, parce que déjà, il faut leur parler directement. Je vous critique. Je ne suis pas d'accord avec votre manière de faire. Maintenant, il dit, prenons une photo. J'ai dit à tous les photographes qui étaient là, j'ai dit, vous voyez, de moi et lui, qui a appelé quelqu'un, qui a appelé l'autre pour prendre une photo? On dit, c'est lui. J'ai dit, c'est parce qu'il n'a pas ma photo dans son album. Il sait que lorsqu'il aura ma photo dans son album, il va améliorer, il va montrer aux gens, voilà, ces messieurs ici, c'est les grands opposants, voilà. Et là, il a ri, et les photographes en ont profité pour prendre cette photo-là. Après, il va me dire, notre photo-là a fait le tour du monde. Voilà. Il a accepté volontiers de quitter le pouvoir. Il a accepté volontiers la victoire du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais les gens sont en train de les mêler, de les remettre dans la politique. Ils ne veulent plus qu'on les laisse faire ces histoires. Qu'on les laisse, ils ne veulent plus. Ils ont tout fait, non, qu'ils redeviennent président du PPRD. Ils ne veulent plus. Il leur disait toujours, vous là, vous ne pouvez pas vous organiser pour avoir un bureau. Vous là, des FCC, vous faites des réunions seulement à Rotana. Prochainement, ne venez plus ici. Ils sont allés chercher des bureaux. Voilà des grandes personnes comme ça. Comprenez donc. Merci beaucoup, Basile Ongo, président du PCSD, oui, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que vous venez nous répondre. Oui, lorsque vous avez des choses importantes sur lesquelles nous devons discuter ou donner des propositions pour que le pays avance, on est là, on est dispo, parce qu'on n'a pas beaucoup crésé sur des suggestions. Il y a la crise. Maintenant, le constat est là. Que faut-il faire pour sortir de la crise? C'est un débat, c'est une émission. Voilà des choses comme ça que nous voulons. Parce que ça apporte des solutions et on va les utiliser. D'accord. Oui, vous avez parlé de l'insalubrité dans notre ville de Kinshasa. Que faut-il faire? L'insécurité de Kuluna. Quelle solution apporter? Donc voilà, je sais que tu réalises toujours de très bonnes émissions. Merci. Donc, vous nous appellerez pour des sujets comme ça. On viendra, mais pour parler des individus, je n'aime pas beaucoup. Merci beaucoup, Basile Longo. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que vous l'avez aimé. C'est une première de recevoir dans Face à Face un ancien ministre qui a répondu à notre question, à notre invitation. Nous vous disons au revoir à la prochaine. Avec le même plaisir, on aura encore l'amabilité et le plaisir de le recevoir. Comme il a dit lui-même, s'il y a des questions d'actualité, on va le recevoir. Nous vous disons au revoir à la prochaine sur Congo Buzz Télévision.